Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour tester un nouveau jeu sur la chaîne, ça s'appelle Pet Shop. Alors, je vais vous décrire un petit peu ce qui a marqué sur la description de ce jeu. Tiens ta propre animalerie dans le jeu Pet Shop Simulator, trouve vos animaux de nouvelles maisons en réalisant ainsi les rêves de tes clients. Prends soin des besoins des animaux en vendant les articles adéquats et implique-toi dans la vie domestique des animaux. Ta tâche principale dans Pet Shop Simulator est de tenir une animalerie. Tu ne devras pas seulement trouver des maisons formidables pour les animaux, mais aussi t'assurer qu'ils mènent des vies aisées et merveilleuses. C'est pour cette raison que tu dois assurer un éventail adéquat d'articles pour que l'animal soit comblé. Je précise que c'est un jeu qui est pour l'instant disponible uniquement sur Steam. C'est un jeu qui est seulement en démo pour l'instant. Il n'y a pas encore de date de sortie officielle. Allez, on est parti pour tester la démo du coup de Pet Shop Simulator. Create Shop. On va entrer le nom de notre magasin. Du coup, on va l'appeler comment? On va l'appeler Valéric. Valéric Store, pourquoi pas? Ou Valéric Pet? Non, ça fait un peu bête. Valéric Store, allez. Ça me paraît pas mal. Create. Ok. Donc, je clique dessus. Load, delete, cancel. Donc on va faire charger. Waouh! Valéric Store, scan product. Ok, option, c'est quoi? On a quoi? C'est quoi ça? On peut déplacer les éléments. Ok. Ah d'accord, j'ai pifté. En fait, là, on fait ça. Non. C'est ça. Voilà, là, on fait option. Ouais, d'accord. C'est pas bête comme système. Donc, on a les paramètres. On peut voir les paramètres graphiques et autres. On va pas les toucher. Pour moi, ça me paraît plutôt pas mal. Ça doit être mieux ou meilleur. Donc, load. Ouais, bah ça fait rien vu qu'il n'y a pas de partie. Et start pour démarrer une game. C'est plutôt pas mal comme concept. De mettre les éléments comme si on était à la caisse. Alors, le magasin est fermé. Ouvrez votre tablette. Requir. Ok, storage. Ok, faut entrer. Je sais pas si ça joue à la main par contre. On a 20 000 dollars. Hello. Par contre, le jeu n'est que en anglais. Je vais vérifier si on peut pas mettre en français. Bon, on changera après. Bon, apparemment, le jeu n'est qu'en anglais pour l'instant. J'irai voir après, plus tard, dans les paramètres, si on peut le changer en français. On peut voir qu'on a 2 jours seulement de dispo dans la démo. Du coup, on fait continuer. Il faut l'aider à ouvrir le magasin, en gros. Il y a des tâches basiques. Ok. La première étape. Ok. Construire. Ok, when you're ready. C'est parti. Alors, requiert un endroit pour stocker. Et il faut une caisse enregistreuse. Alors, comment on va faire ça? Je ne sais pas. Il n'y a pas trop d'indications. Hey. I don't want in sanitary. Construction mode. Employé, ok. Donc il sort du magasin. Hey. Ma position maintenant et accès à la tablette, ok. Ah, il va nous expliquer tout qu'on en fait. Ici donc il y a une zone de livraison. On peut interagir apparemment. On va voir ça plus tard. Donc apparemment faut appuyer sur tab. Tab pour avoir la tablette. Mode construction. Ok. Donc on prend ça. Select. Ok. Ok, donc on sélectionne cette partie-là pour construire. Donc ça. Ah d'accord. Ok, il faut sélectionner. On sélectionne, hop, et ça construit automatiquement un endroit de stockage. Voulez-vous continuer? Oui. La porte. Donc il faut poser la porte maintenant. Donc on prend la porte. Et on la pose.
Ça va, c'est plutôt assez simple à comprendre. Même si c'est en anglais. Alors, j'ai regardé, le jeu n'est que en anglais et en polonais, hein, pour l'instant, pour cette démo. Tac, ok, on peut mettre des étagères. Bon, on peut pas se rapprocher, je pense que si. C'est pas les flèches, ok. Là, hop. Fantastique. On continue. Let's go. Ok, on va continuer, mettre des items dans le store. Ok, donc il va falloir mettre des produits. Donc, tac. Ok, on peut se tourner comme ça. Ok, voilà l'étagère. Et comment ils disent pour faire tourner ces culs? E. Ok, E. Acheter une caisse enregistreuse. Alors, c'est où? Donc, faut qu'on achète la caisse enregistreuse et qu'on la place. Alors. Hop. Ouais, mais il y a un problème, le carré. Le carré est plus petit, là. Ça y est, j'ai trouvé comment on fait. Il fallait tourner, en fait, le meuble pour le mettre bien en position. Ensuite. On met ça là, et ça nous met direct au sol. Et on va aller parler avec la personne. Non, c'est pas cette personne là, c'est cette personne. Oh. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, il y a les projets futurs. Faut continuer à améliorer le shop. Et il veut beaucoup nous parler, cette personne. Oh. Ok, faut aller voir dans la tablette, passer les produits, ok c'est parti, il veut encore nous parler. Alors ouvrez la tablette pour acheter de la nourriture pour les chats. Ok, donc on ouvre la tablette, je sélectionne cats. Ok, oui, je suis allé t'aider au panier là. Hop, jeter au panier. Basket, powder. The delivery, ok, ça sera bientôt livré. This package, ok. Donc ça va nous être livré apparemment ici. Pour l'instant, il n'y a plus besoin de lui parler à lui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Ouh, une petite animation avec un véhicule de livraison qui arrive. Et on va venir nous livrer les croquettes pour chat. Plutôt de la pâtée pour chat, hein. C'était pas des croquettes, c'est de la pâtée. Voilà, c'est livré. Ok, c'est en train de le mettre vers l'endroit de stockage. C'est fait. Ensuite, je pense qu'il faut lui reparler, hein, monsieur. Ok, maintenant, arrangeons. Ok, attends, il rentre dedans. Faut le suivre apparemment. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Il y a quand même beaucoup de dialogues. Ok, il va falloir scanner. Après, ouvrir le management. Okay, je ne sais pas ce que ça veut dire LMB. Apparemment, il va falloir enregistrer les produits si je comprends bien. Activer le scanner en LMB. Donc ça y est, j'ai le petit appareil, donc on fait la molette de la souris. Et ensuite, on fait Customize Assortiment. Donc, on peut choisir l'étagère. Par exemple, si on prend ça. Donc, arranger les assortiments. Place des assortiments. Ok. Move. Et là, on peut mettre de la nourriture pour chat. Et c'est 100$ la nourriture pour chat. Quand même. Ça fait quand même assez cher. On peut parler encore avec la personne. Ok, il faut se rappeler, oui. Ah oui, il faut, faut se souvenir des stocks que l'on a au niveau de la nourriture. Il faut encore lui parler. Ok. Il y a quand même beaucoup de dialogues. Je sais pas si c'est parce que c'est les débuts, mais... Ah, on va parler de la caisse enregistreuse. Ok. Ah bah, on peut prendre des employés apparemment sur sur ce jeu. Ça va être intéressant de voir ça.
Ouvre la tablette. Donc on ouvre la tablette. Oh. Il y a un onglet employé. Donc on est dans employé. Et salaire. Ok. Ça c'est quoi ça, Ruben? C'est le talent, il est 2 étoiles. Oh. Bah on le signe, on n'a pas le choix. Donc on fait hop, continuer. On va sûrement de parler avec lui. On va lui donner sa tâche. Bon, on va le mettre à la caisse enregistreuse. Ça c'est pour le contacter, ok. Ok. Et après on pourra prendre quelqu'un pour nettoyer le magasin. L'employé arrive apparemment. Ça y est, l'employé arrive. Ah, il est déjà avec sa tenue de travail, ça fait plaisir. Donc il est 11h et on a notre premier employé qui va tenir du coup la caisse. Oh, oh. Ok, on va ouvrir la tablette pour voir les autres options. Donc là, on ouvre le magasin, si c'est ouvert. Alors, on vend pas grand-chose hein, dans ce magasin. On vend juste des croquettes. Je sais que ça fait pas partie de l'animaux, mais j'ai bien envie d'essayer d'acheter des animaux après. Ok, donc il a pris le paquet de croquettes. Hi. Et il va nous donner 100 dollars pour ce paquet normalement. Oh, le petit paquet. C'est plutôt bien fait l'animation. Je veux qu'il fasse pas de bêtises, voilà, 100 dollars. Yeah. Voilà un employé qui fait bien son travail. Oh. Huh. Oh, responsable futur, ok. Ça c'est fait. Alors, faut encore lui parler. Yeah. Moi j'ai bien envie d'acheter des animaux quoi. J'espère qu'on va nous en faire acheter. Ah, ça va être le cas. Je crois. Ouais. On va acheter des lapins. Des lapins. Et on voit notre lapin, il est déjà là. Il est dans sa cage. Et il est prêt à être vendu. Ouais, plutôt bien modélisé le lapin. Il a de la nourriture, il a ce qu'il faut. Bon, on va encore parler avec cette personne. Ah bah il se barre. Donc on a terminé le didacticiel. Au revoir. Ouais, il est parti. Bon, maintenant c'est à nous de débrouiller avec du coup notre employé et ce lapin, à nous de lancer cette entreprise. Alors on a une cliente déjà pour le lapin. Une cliente qui vient voir si on a du... Ah, ils vont se battre pour le lapin peut-être. Bon, c'est très bien. Trois personnes pour le lapin. Ah bah ça y est, elle est partie. Elles étaient trois dessus. Finalement, c'est cette dame-là qui a remporté le lot. Bah du coup, on va recommander, je pense, à Lapin. On va même en prendre deux. Voilà, ça a l'air de fonctionner, ça. On s'attire des gens. Bon, nous, on va s'occuper du stock. On n'a plus de matériel, donc... Enfin, on n'a plus à manger pour les animaux. Donc, on va prendre des... On va prendre des croquettes pour chat. Je vais prendre ça aussi. Je pense qu'on peut prendre dans cette démo. On va prendre un petit peu de tout, on va tester. Ok, on peut prendre que ça. Hop. 330$. Il n'y a plus qu'à attendre qu'on soit livré. Oh, les lapins. Bah, ça part comme des petits pains. Hop, on en remet deux. Ah, il y a mon livreur qui vient pour la nourriture. Là, il y a une grosse commande qui arrive normalement. On va essayer de remplir un peu le magasin.
Allez, recule. On a du monde qui vient là. Tac. Allez, ça le déplace vers le stockage. C'est fait, on va pouvoir remplir le magasin. Donc, on va se mettre quoi sur cette étagère? On va se mettre ça. Ensuite. Oh, on n'a plus rien. Mince. On n'a pas assez commandé. Ah si, arranging. Hop. Et là, on va mettre ça. Ça, c'est pas mal. Ici, on va se mettre ça. Ici, on va se mettre ça. Qu'apparemment, c'est par lot. Hein. Donc, si j'avais acheté plusieurs, j'aurais pu en mettre plusieurs. Mais voilà, c'est un produit. On peut pas mélanger les produits entre eux. Hein. Si j'essaye, voilà, ça fait remplacer. Dommage. Donc, on est obligé de mettre par famille. Hop. Voilà un magnifique rayon. Bon, j'aurais pu acheter plus grande quantité. Mais déjà, c'est une démo, donc c'est juste pour tester. Les petits lapins, ça intéresse des gens. Ok, nous on va aller voir notre tablette. Donc ça c'est employé. On va pas prendre quelqu'un d'autre là. Donc ça c'est démo. Ça c'est quoi ça? C'est acheter pour... On peut acheter de la nourriture pour chien. Enfin, on peut pas grand... faire grand chose encore. Faudrait qu'on ferme le store en fait pour pouvoir construire encore des choses. En tout cas, les gens sont très très demandeurs de produits pour leurs animaux. Hein. Et puis les lapins, ça s'arrache comme des petits pains. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer pour l'instant le magasin. On va fermer le magasin pour l'instant. On va passer en build mode. Ah, on a encore une cliente. J'attends qu'elle parte pour pouvoir fermer le magasin. Une fois qu'elle est partie, je vais essayer de remplir les rayons. Et on va essayer aussi de... peut-être d'améliorer, d'ajouter d'autres animaux disponibles. Parce que là, on n'a que des lapins. Je voudrais vendre d'autres animaux. Pourquoi pas des poissons. Enfin, je sais pas ce qui est disponible dans cette démo. On va aller voir. Donc, build mode. Ah, faut même renvoyer l'employé. Ah, j'avais pas lu ça. Donc l'employé, il est là. Allez, j'ai demandé à l'employé normalement de partir. Je sais pas s'il va le faire. Ah non, il le fait pas. Il veut laver absolument les locaux. Je voulais demander de partir, mais... apparemment, c'est compliqué pour lui d'écouter. Il faut qu'il parte en fait pour pouvoir passer au mode construction, et ça c'est quand même embêtant. Faudrait qu'il parte quoi. Pas qu'il me dérange, mais un petit peu quand même. Alors j'arrête pas de lui demander d'essayer de rentrer chez lui. Je fais interagir. Hey. Et je lui demande à management, rentre chez toi en gros. Hein. Et il ne le fait pas. Donc je pense que c'est un petit bug de cette démo. Donc malheureusement je peux pas faire d'autres travaux. Vu qu'il reste. Donc tant pis, on va lui dire de... on va lui changer sa tâche. On va le remettre à la caisse. Tu peux pas partir, il va pas partir. Puis nous, on va s'occuper de remplir les rayons. Comme ça, mais c'est quand même dommage. J'aurais bien voulu améliorer encore un peu plus le bâtiment. Notamment le magasin, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Vu que cette partie-là est buggy. Qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter des grandes quantités. On va bien acheter, tiens, du puppy fork, ça à fond. Des jouets pour chiens, ça peut être pas mal. Ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vend des lapins. On pourrait vendre des choses pour les hamsters. Ah, ce n'est pas disponible. Alors,
prendre pour les chats, hein. Des petits jeux pour les chats, pourquoi pas. Grande quantité. Litière pour chat. Arbre à chat. Ça fait combien au panier, ça? 34 000. Ok, donc si on n'a pas assez d'argent, ce qui est rassurant, c'est que ça annule. Donc on va enlever quelques produits, on va enlever ça. 31 000. On va enlever ça. 29 000. On va garder... on va garder le manger et ça. Allez hop, soyons fous, on fait une grosse commande. Ça va être livré dans quelques minutes. On fait une grosse commande et on va voir ce que ça peut nous apporter. On a que 5000 euros. Malheureusement, la démo va pas durer longtemps. En tout cas, cette vidéo ne va pas durer longtemps. Parce que je peux pas renvoyer l'employé chez lui. Et ça, c'est dommage. Bon, après, on va essayer. On va lui demander de repartir peut-être à l'employé. J'étais en train de réfléchir là. On va essayer de demander à l'employé de repartir. Et passer la nuit. J'ai vu qu'on pouvait passer la nuit. Ah, on n'a plus de place dans le stockage. Ok, donc on n'a plus de place dans le stockage. Bon, on va tout mettre dans l'étagère. Donc là, je viens de dire à l'employé de rentrer chez lui. Et je vais passer la nuit. Hop. Je passe la nuit. Il est 7h du mat. Alors, est-ce que l'employé est toujours là? Si c'est le cas, c'est une blague. Mais il est toujours là. Il a travaillé toute la nuit. Oh là 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 là. Je peux pas le renvoyer chez lui, ça c'est embêtant. Bon, bah c'est pas grave. On va racheter un animal. On va rouvrir le magasin. Ah, ça limite un peu... Ça limite un peu la chose, quoi. Allez, le magasin est rouvert, les gens vont venir acheter. On l'espère en tout cas. On a des petits lapins qui se plaignent. Hop. On va nettoyer. Ça, c'est plutôt pratique. On peut nettoyer la cage nous-mêmes. Avec une éponge. C'était assez dégueu hein, là-dedans. Hop. On va pas prendre un employé pour faire ça. Hein. On peut très bien le faire nous-mêmes, ça fait des économies. Tac, tac, tac. Hop. Hey, on peut même nettoyer l'intérieur. Avec une pelle. Hop, 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 hop. Et voilà, tout est propre. Ah, faites vos choix, madame. On a des beaux produits, de grande qualité. À des prix sympas, hein. 140$, 150$. 100$, hein, les prix à plancher. N'hésitez pas à faire plaisir à votre animal, là. Ils sont sur le point de faire leur choix. Hein. On a surtout des produits pour les chats, je crois. On vend des lapins. Et des croquettes pour les chats. Ah, ça hésite, hein, ça hésite à faire le bon choix. Quoi choisir entre 100$ et 150$? Sur de la croquette en or, hein, 150$. Ah, elle ne sait pas quoi faire, du coup, elle va voir les lapins. Peut-être un achat compulsif, un lapin. Oh, il y a du monde là d'un coup qui arrive. Et ils vont tous vers les croquettes. Et ils mettent quand même beaucoup de temps à se décider, hein, les clients. La jauge se remplit pour certains. Alors... Ok.
Pourquoi ils sont pas contents? Ah bah oui, ils avaient plus à manger. Voilà, c'est bon. Ah bah ça a dévalisé notre stock. Alors, on va mettre quoi comme produit? Bah ça, on en a 49. Wow! Alors là, ça nous a rempli le rayon d'un coup. On en a encore. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir sur les aliments pour chiens. Grand rabais. Seulement 100$. Le paquet de croquettes. Faites-vous plaisir. Alors là, on était à... Je crois qu'on était à près de 15 000 quand on a commencé. On a 5 000 avec tout ça. Si on vend tous les paquets de croquettes, il y a moyen de se faire des sous. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui veut nous parler. Bonjour, monsieur. Ah, vous vous portez. Il a dû être satisfait. Qu'est-ce que veut la dame? Hop, suivez-moi. Je cherche des croquettes. C'est ici. Ici. C'est les mêmes? Ouais, c'est ça. Allez, hop, qu'est-ce qu'il cherche, lui? Il cherche les mêmes paquets de croquettes. Tu déconnes, t'étais devant tout à l'heure. Allez, viens voir. Les croquettes sont ici, monsieur. 100$ le paquet. Faut sauter sur l'occasion. On est en train de se faire dévaliser. Hein. Est-ce que je peux remettre quelque chose en haut là? Hop, hop. Ah, mince, j'ai enlevé tout sur les étagères. Du coup, on va remettre ça là. Wow! Du coup, je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai mis sur toutes les étagères. Ça nous a tout rempli. Et du coup, là, on a refait le stock niveau chien, on est plein. On va se faire des sous. Ah, le monsieur, il ne sait pas où chercher. Je vais vous faire montrer où c'est, monsieur, pour les. Pour les croquettes. C'est ici. Hop. Bah, du coup, j'ai peut-être acheté trop de croquettes. On va avoir du mal à les vendre. Allez, faute de votre choix. Il est 11h par contre, monsieur. On va bientôt fermer pour la pause de midi. Encore une dame qui vient. On n'a plus de lapins. Ça, c'est problématique. Regardez, madame, on a des petits lapins à vendre. La dame, elle va chercher. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Encore des croquettes, ça. Donc, en fait, les gens cherchent les produits qu'on a mis en vente. Et nous, on est là pour les orienter. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal de pouvoir orienter les clients. Venez ici, madame. Les magnifiques croquettes à 100$ la pièce. N'hésitez pas à dévaliser ce rayon. Bon, on n'a plus beaucoup de clients, là. Bon, après, on peut enlever les produits et mettre d'autres produits, quoi. Et... Ah, c'est vrai qu'on avait acheté tout à l'heure... Et du coup, notre colis traîne là. Est-ce qu'on peut le stocker, ça? Parfait. Allez, ça ne traîne plus. Et les croquettes, ça se vend bien. Hein. Croquettes pour chien ou chat. Alors, ce qui est bête, c'est que je peux pas rajouter de meubles. D'étagères. C'est quand même dommage. Parce qu'il faut fermer le magasin et renvoyer l'employé. Ça ne marche pas pour l'employé. C'est quand même dommage. Bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de clients qui aiment nos croquettes. Ça se vend très bien. Allez hop, encore une cliente qui achète. Et on voit qu'on remonte un petit peu au niveau de l'argent. On est à 7800. Donc c'était un bon investissement d'acheter des croquettes. Par contre, les lapins, personne n'en prend pour l'instant. Allez, une autre cliente qui repart avec des croquettes. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un d'autre? Oui, le monsieur aussi se décide d'acheter des croquettes.
Il a pris un paquet, il va peut-être en prendre un autre. La dame en prend un. Il va peut-être en reprendre un autre. Oh, il y a des gens qui en prennent deux des fois, c'est assez énorme. Combien ça nous fait 300 $. Elle a pris 3 paquets, la dame. Ah bah merci, ça régale. Encore des clients qui hésitent. Ah, donc ils peuvent prendre plusieurs paquets de nos produits, c'est plutôt intéressant tout ça. Allez, encore un client qui va acheter. Et on a un autre client qui arrive. Dis donc, ils se sont fait passer le mot pour les croquettes. Alors j'aimerais bien qu'il y ait une étagère qui se vide pour pourquoi pas mettre d'autres produits. Allez, j'ai changé un petit peu les produits du haut, j'ai mis des croquettes pour chat. Il nous restait un paquet. Et je l'ai mis en haut. Alors par contre, je sais qu'on a d'autres choses dans le stock. Parce que... voilà, on a les arbres à chat, mais je peux pas les mettre sur cette étagère. Je pense qu'il faut une étagère spéciale. Et vu que c'est buggé, qu'on a un employé qui ne veut pas entrer chez lui. Ça pose problème quand même. Du coup, je peux pas fermer la boutique. Allez, faites votre choix, madame. C'est soit des croquettes pour chien, soit le dernier paquet ultime de toute la ville. Hein. Le paquet de croquettes Kitty Cuisine Chicken. Faites-vous plaisir. Hein. On n'est pas prêt d'en avoir des paquets comme ça. Hein. Allez, j'ai fait une autre commande. Cette fois-ci, j'ai commandé un petit peu de tout. Je crois que j'ai commandé pour... J'ai pas pu commander pour les souris. J'ai pas pu commander pour... Je vais aller voir dans la tablette ce que j'ai pu commander. J'ai pu commander pour les chiens, les chats, les poissons. Les lapins. C'est un peu bête de vendre des lapins et pas la nourriture qui va avec. Donc ça, j'ai pu acheter. Par contre, hamster, on peut pas. Tortue, on peut pas. Et souris, oui, on ne peut pas. Souris ou roi, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas. Donc ça, c'est quand même dommage. C'est la démo hein, en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on a terminé cette démo. On va retourner au menu. Donc on a terminé la démo de Pet Shop Simulator. C'était plutôt un bon test. Bon après, il n'y a pas grand chose à faire, faut l'avouer, sur une démo. Ce qui est dommage aussi, c'est le bug de l'employé qui ne m'a pas permis de vivre à fond l'expérience de Pet Shop Simulator. Vu que j'ai pas pu renvoyer l'employé chez lui, et bien du coup, j'ai pas pu faire à 100% le test au niveau de la construction. Je voulais ajouter des étagères pour pouvoir vendre notamment les arbres à chat que j'avais achetés, mais j'ai pas pu le faire. Bon, je pense que le bug sera arrangé pour la sortie du jeu. On n'a pas de date de sortie, on n'a pas le prix du jeu. Je pense qu'il sera entre 20 et 30 euros. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si ça vous a plu ce test de Pet Shop Simulator. On se retrouve pour le test d'un prochain jeu sur la chaîne. Allez, à plus !